Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter un pull pour Ken. Je vous présente ce modèle d'un peu plus près. Donc ici, nous avons que du point mousse et là, que du point jersey. Donc vous voyez, c'est un modèle très 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 facile à concevoir. Donc le dos, il est fermé par trois boutons pression, donc facile à enfiler. Voilà, et franchement, il est rapide à faire. Voilà, on va passer au matériel. Alors, pour tricoter ce pull, j'ai utilisé la mixette fine de chez Action. Pour 350 mètres, vous avez 125 grammes. Et la super soft de chez Iman. Pour 50 grammes, vous avez 199 mètres. Ensuite, une paire d'aiguilles numéro 2,5, deux arêtes mailles, trois boutons pression et en déco j'ai mis ces petites étoiles. Voilà, ça se pique et puis on replie les petites pointes. Voilà, par contre je sais plus où je les ai achetées. Ça fait un moment que j'ai ça dans le tiroir. Voilà, nous allons pouvoir passer au tricot. Alors nous allons commencer à tricoter ce pull par le haut. On va monter 30 mailles. 1, 2, jusqu'à 30. Et pour le rang 1 et le rang 2, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, les deux premiers rangs sont faits. Donc pour les 30 mailles au point mousse, j'obtiens 7 cm et demi. Ici, 7 et demi. Ensuite, rang numéro 3. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. On monte une maille. Et on recommence. 1, 2, 3. On monte une maille. Donc toutes les trois mailles. 1, 2, 3. On monte une maille. 1, 2, 3. On monte une maille. Et on termine par trois mailles à l'endroit. 2 et 3. Rang numéro 4, tout à l'endroit. Donc maintenant, on a 39 mailles sur l'aiguille. Hein. Donc rang numéro 4 et rang numéro 5, tout à l'endroit. Rang numéro 6, la répétition, ça va être 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 4, on monte une maille et on recommence. 1, 2, 3, 4, on monte une maille. 1, 2, 3, 4, on monte une maille et on termine par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Rang numéro 7 et numéro 8, 48 mailles à l'endroit. Rang numéro 9, la répétition sera 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Montez une maille et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, montez une maille. 1, 2, 3, 4, 5, montez une maille et on termine avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2, et 3.
rang numéro 10 et numéro 11, 57 mailles à l'endroit. Rang numéro 12, la séquence à répéter sera 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on monte une maille et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on monte une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on monte une maille et on termine par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Rang 13 et rang 14, 66 mailles à l'endroit. Rang numéro 15, on va prendre la mixed. Voilà. Donc là, la répétition, ce sera 7 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On monte une maille. C'est exactement la même chose. Et on répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On monte une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On monte une maille et on termine par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Rang numéro 16, 75 mailles à l'endroit. Rang numéro 17, on va reprendre la laine bleu marine et on va refaire 75 mailles à l'endroit. Rang numéro 18, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, monter une maille. Maintenant, ce qui va être répétitif, c'est 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, monter une maille et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Monter une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monter une maille et on termine le rang par 2 mailles à l'endroit. Rang numéro 19, 86 mailles à l'endroit. Rang numéro 20, on va commencer par 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va prendre l'arrête-maille
Et on va mettre 20 mailles sur cette arête maille. Donc on les prend comme si on voulait les tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, on va bien serrer. Vous voyez, on va bien faire que nos fils se touchent le plus près possible. Et on va faire 22 mailles à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et 22. On prend le deuxième arête maille et on va faire la même chose. 20 mailles sur l'arête maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On le ferme, on le place plein derrière, on avance bien nos fils et on fait pour que ça soit fermé le plus possible. Et on termine par 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, on a 46 mailles sur notre aiguille maintenant. Maintenant, on reprend la mixed et on va travailler en jersey, c'est-à-dire un rang en droit, un rang à l'envers, du rang 21 jusqu'au rang 38. Et je vous retrouve à ce moment-là. Rang 39, on va reprendre la laine bleu marine et on va faire un rang tout à l'endroit, donc toujours pareil, 46 mailles à l'endroit pour le rang 39. Voilà, et pour les quatre derniers rangs, donc le rang 40, 41, 42, 43, on va faire simplement de la côte 1-1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pendant quatre rangs. Et pour terminer, on va arrêter les mailles dans le sens des mailles. Donc là, j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. J'ai une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Et je passe la première sur la deuxième. Là, j'ai une maille à l'endroit, et ben je la tricote à l'endroit. Et je passe la première sur la deuxième. Là, j'ai ma maille en vert. Je la tricote à l'envers et je passe la première sur la deuxième. Voilà, vous allez faire ça tout le long du rang. Voilà, le bas est terminé. Maintenant, nous allons pouvoir faire les manches. Donc, on va récupérer les mailles sur notre arête maille. Donc, on l'ouvre et on va les récupérer comme si on les tricotait à l'envers. Donc, on en avait mis une
20 mailles. On va les prendre. Voilà, j'y suis presque. Hop, et encore une. Voilà, donc là, on va commencer par un rang envers, puisqu'on est sur l'envers du travail. Donc, on va travailler en jersey en droit, en commençant par un rang envers, et du rang 1 jusqu'au rang 11, en jersey en droit, en commençant par un rang envers. Je vous retrouve pour le rang 12. Donc, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Rang numéro 12, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit, 12 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Maintenant, on a 18 mailles sur notre aiguille. Rang 13 jusqu'au rang 19. Vous continuez en jersey en droit du rang 13 jusqu'au rang 19. Rang 20, on commence par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 10 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles à l'endroit. Donc maintenant, on a 16 mailles sur l'aiguille. Et du rang 21 jusqu'au rang 27, vous continuez en jersey en droit. Voilà, et on va terminer avec 4 rangs de côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pendant 4 rangs. Voilà, les 4 rangs de côte 1-1 sont terminés. On va arrêter les mailles de la même manière qu'on a arrêté le bas. Donc là, j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. J'ai une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Et je passe la première sur la deuxième. Ici, j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Et je passe la première sur la deuxième. Ici, j'ai une maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je passe la première sur la deuxième. Voilà, jusqu'au bout du rang. Et il ne vous restera plus qu'à faire la seconde manche à l'identique. La partie tricot est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre à l'envers et à faire les coutures des deux manches. Ensuite, vous remettrez à l'endroit, bien sûr. Et ici, vous allez mettre vos petits boutons pression. Donc, moi, j'en ai mis un ici, un au milieu et un là. Et ensuite, hein, au choix, hein, si vous avez envie. Moi, j'avais ça, donc j'ai mis trois petites étoiles sur le devant du pull. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous le présenter sur le mannequin. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.